apprendre Nougat artistique. Bienvenue sur Nougat spécial Olympia, Charlot Dipanda. Charlot Dipanda, certes, mais à ma droite, c'est pas Charlot Dipanda. C'est tout aussi une voix exquise, une voix qui vient de ce 237 d'amour hein, qu'elle représente très bien, tout simplement Sanziviani, qui a assuré la première partie de cette Olympia tant rêvée par la diva Charlot Dipanda. Bonsoir Sanzi. Coucou. Ça va? Ça va très bien. Que ça se voit, que ça se voit, parce que beaucoup de très belles choses depuis un ou deux ans carrément, ouais. Quasiment on va dire. Ouais. Et là, tu fais ton premier Olympia quand même, c'est pas rien. Bravo. Oh, merci. Bravo aussi, on va dire. Bravo. Je dis souvent félicitations, Jésus, excusez-moi. Ah, et ben. Puis, et Jésus aussi, et bravo à Sita Charlotte, parce oui. Que c'est elle qui m'a invitée. Qui oh. M'a donné cette opportunité, donc bravo à elle, félicitations mm-hmm. à elle pour ce cœur de partage, mm-hmm. pour cette initiative, pour ce beau cadeau et ce beau moment qu'elle a eu à m'offrir, peut-être un peu tôt. Il n'est jamais trop tôt. Voilà, c'est ce que j'allais dire, il n'est jamais trop tôt. Voilà. Finalement. Il n'est jamais trop tôt finalement, et on va dire aussi qu'avec tout ton bagage artistique, même si tout le public ne te connaît pas encore, tout ce bagage, parce qu'un artiste finalement, c'est ce qu'il a à l'intérieur, ce n'est pas forcément ce que les gens connaissent tout de suite. Tout ce bagage finalement, tu le vaux bien, et moi j'ai hâte de voir demain Olympia avec Sanziviani. Ah oui, moi aussi, et puis de toutes les façons, j'ai souvent une petite phrase que j'aime dire. C'est un plaisir pour moi de me faire découvrir par une personne chaque jour. Vraiment. Sur Terre, nous sommes combien de millions? Non, mais alors. Donc, ça veut dire quoi? Si aujourd'hui, il y en a 100, oui. Demain, il y en a un, après-demain, un. Ouais. Moi, c'est mon plus gros cadeau. Mmh. Je sais qu'il y a beaucoup de chemin encore à parcourir, mmh. mais déjà ce soir... Je remercie le ciel de ceux-là qui ont eu à me découvrir et à me céder une petite place dans leur cœur. Voilà. Oui. C'est vrai que les gens ont vraiment atterré, hein. Bah, Nougat TV bien sûr depuis un moment, mais il faut quand même qu'on rappelle que tu as été révélée au grand public hein, mondial par, en étant finaliste dans de ce concours RFI. C'est une belle plateforme d'ailleurs, et quels sont les projets justement à travers ce concours que tu peux réaliser aujourd'hui? Eh bien déjà, on va dire quoi? Cette plateforme m'a donné un coup de pied aux fesses. Sur le plan artistique, ça m'a fait faire de belles rencontres, et d'ailleurs... ça m'a permis de pouvoir déjà planifier une belle petite com pour le moment. Comme je suis là pour 3 mois, en fait, pour ma résidence de créa. Wow. Parce que je suis lauréate du programme Visa pour la création. Super. Donc, pendant 3 mois, je dois bosser un nouveau spectacle. Mm-hmm. Et le fait d'avoir été finaliste pour découvrir RFI m'a donné un tremplin qui fait que je peux promouvoir ce petit programme que je dois organiser sans m'arracher des cheveux. Voilà. Un album en préparation en même temps, j'imagine. Non, mais un tout dernier, Osu, avec lequel j'ai eu à être finaliste, qui continue de tourner, mais un nouveau bébé qui est plutôt un spectacle, Osu on Stage, ça c'est le titre. Et puis le nouvel album, va commencer à se préparer à partir de 2017 en fait.
Mais Osuwan Stage va se jouer comment et où? Alors, Osuwan Stage se prépare à la Cité internationale des arts de Paris. Et va se jouer le 7 novembre de ce côté-là. D'accord. Donc, je pense que je transmettrai l'info et tout ce qu'il faut. Voilà, en temps et en heure. Les filles, restez connectées, vous saurez tout ce qu'il faut. Est-ce qu'on peut espérer voir Osuwan Stage au Cameroun éventuellement un peu plus tard? Mais bien sûr, ça commence à Paris. Oui. Ça va aller aussi en Suisse. Parce que après avoir présenté ça ici, j'ai mon agent en Suisse qui veut que j'aille présenter ça là-bas. Et puis, forcément, il faut monter sur 237. On est d'accord. Voilà, je suis en mission ici pour que là-bas, voilà. Après, ça se passe bien. Voilà. Ça se passe bien. Écoute, Sandy, nous, on est ravis de t'avoir sur Nougat TV encore une fois. C'est vrai que c'est la deuxième fois déjà, avec un grand. Voilà. Et ce que j'ai envie que tu nous dises maintenant, hein, aux Nougatphiles qui nous suivent, parce que tu commences à être très, très apprécié, hein, je ne sais pas, mais il faut que tu me donnes tes secrets de foulard, parce que je n'ai pas encore réussi. Je teste. Mais il faut juste qu'on fasse une émission tuto. Super. Bon, rendez-vous est pris, on verra bien suivant aussi le planning de Sandy et puis on essaiera de faire un petit tuto. Parce que j'aime bien, voilà. Justement, en aimant ce côté que tu crées dans ton image, j'aimerais quand même savoir au fond de toi, parce que je vois aussi dans les images que tu fais de tes vidéos, il y a quelque chose au fond de toi que tu veux montrer et surtout quelque chose qui te, je sais pas, qui te porte. Qu'est-ce que c'est, Sandy, fondamentalement? Je pense que ça vient de très loin. Peut-être, je ne sais pas, ça vient peut-être de mon amour pour l'amour. Et peut-être ma spiritualité, parce que je suis chrétienne et j'assume. Ça se sent. Voilà, je suis un miracle vivant. Comment on dit Amen, Alléluia. Voilà, je suis un miracle vivant. Je donne à Dieu une place importante dans toutes mes activités. Et ça fait qu'avant de faire quelque chose, mais avant de travailler... Je prie avant, j'essaye de, voilà, je médite beaucoup. I think that's the right word. Donc, je médite beaucoup et c'est peut-être ça, mais je ne sais pas. Oh, ça peut être aussi l'amour pour mon petit chou. Hein, parce que Phil peut-être. Heaven, ben oui. Quand je pense à Phil Heaven, je me dis, ma mounette, il faut que tu fasses des trucs. Est-ce que je peux me permettre de faire juste comme ça? Un nougat kiss, hein, parce que nous aussi, on adore l'amour. Et je pense que c'est un très, très bon vecteur, l'amour. Thank you.
Écoute, voilà. Laisse un petit message aux nouvelles filles qui te suivent et moi j'ai envie de te dire à très bientôt. Quoi qu'on va leur présenter comment tu as fait le show tout à l'heure sur l'Olympia de Paris. Yes. Alors, quel est le message que je peux vous dire? Je vous remercie à vous qui me connaissez déjà. Je vous demande humblement d'aller fouiller, farfouiller, chercher à me découvrir et je sais que vous ne serez pas déçus. Et puis, voilà quoi, soutenez mon travail. Écrivez-moi, donnez-moi votre avis sur mon travail parce que l'artiste, ce n'est pas que pour soi. Je suis artiste pour apporter de la joie dans vos vies, vous aider dans vos peines, vous accompagner dans ce qui va bien ou qui ne va pas bien. Donc, partageons l'amour. Partageons l'amour, ce sera le mot de fin avant que vous ne poussiez tout ce qu'il y a autour de vous et que vous vous régaliez avec tout simplement la sublime Sanzi Vianney. Nous, qui savoure et à très bientôt.